l'artiste. Il a encore frappé. Mais de quoi tu parles? De vieux démons. Un copycat se cache derrière ce corps. L'artiste a marqué les esprits par la façon dont il a tué et embaumé six femmes. Il les empoisonnait, il arrangeait ensuite leurs corps, les ornait de décorations et les mettait en scène dans des structures en métal. Il les appelait ses œuvres magistrales. Comment avez-vous fini par l'attraper? Un putain de travail d'enquêteur mené par une putain d'équipe d'enquêteurs et l'un d'eux est justement assis à côté de vous. Je mettrai pas un pied dans cet endroit. Comment ça? Eh bien, l'artiste va vouloir jouer au plus malin pour voir si on peut gagner sa confiance. Et ce sera impossible si je suis présent dans la pièce, étant donné ce qui s'est passé entre nous. En vérité, il a ôté la vie à Zeke Anderson. Il a été mon coéquipier pendant 15 ans. Mais dans 2 semaines, cet enfoiré va crier sur la chaise. Et le monde se portera bien mieux sans lui. Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que vous nous avons... Vous allez sans doute me parler du copycat. Je me suis dit qu'en voyant les photos des victimes, vous pourriez remarquer quelque chose qui pourrait nous aider. Mais arrêtons de jouer au chat et à la souris. Je veux que ma condamnation soit commuée en enfermement à vie. Quelle que soit l'aide que je vous apporte, je le fais pour vous et uniquement pour vous. Sauriez-vous par hasard si le médecin légiste lui aurait coupé les ailes? Pourquoi c'est important? Pour son dernier voyage vers l'au-delà. Samael est un ange déchu envoyé en enfer. Créer une sculpture vient à résoudre un mystère. Dès que j'aurai terminé, vous aurez l'adresse exacte. Terminer quoi? De sculpter. De vous sculpter. Vous êtes malade, vous vous en rendez compte? Un cinglé total. Il a recommencé. Montrez-vous, où que vous soyez. Il se moque de nous depuis le début. J'ai entendu une voix, celle de l'archange Samael. Pourquoi je dois écouter tout ça? C'est vous, Marie, qui serez à la prochaine. C'est toute ma vie en photo. Tu dois l'arrêter, Marie. C'est l'essence même des cauchemars.